Hey, vous m'entendez? Alors, salut, là, ici, je vais très bien et toi? Est-ce que j'espère que tu es en pleine forme pour commenter ce match tout à fait somptueux, on rappelle, à SM 95 en haut du classement, avec ses bras cassés qui doivent essayer de rattraper Dolto, parce qu'il me semble qu'ils sont passés derrière Dolto 2. En effet, ils sont passés derrière, ils sont à deux victoires de le rattraper, mais là, ils vont tenter de sécuriser, je pense, la qualification pour les petits playoffs. C'est Alors. ça, c'est ça. On rappelle qu'il y a une place à choper pour être soit cinquième, soit sixième place. Après, est-ce qu'ils peuvent essayer de choper la quatrième ou la troisième place, ou s'ils sont déjà trop loin? Laisse-moi regarder ça. Alors. Donc. Pour choper la cinquième place, il faudrait qu'il rattrape Dolto 2 Ouais, qui a d'accord. encore deux matchs à jouer. Ok. Tandis que les bras cassés en ont encore quatre, dont celui de ce soir. Mais il faut absolument, dans ce cas-là, qu'ils gagnent leur match contre Dolto 2. Et ils doivent encore les affronter. Je sais pas si tu as bonne mémoire, Alexis, mais là, je suis parti regarder le score de la dernière game qui opposait ces deux équipes. C'était une game extrêmement séjouée qui s'est jouée en plus de 40 minutes avec 7 dragons, un chêne qui était totalement hors de contrôle, hein, un marteau qui nous avait sorti une grosse game sur son chêne. D'ailleurs, marteau qui avait eu son chêne, déjà, ça c'est quand même épatant. Et en face, on avait eu du Veigar et de la Xayah Rakan. J'aime bien ce combo avec la Sejuani. Il y avait eu deux compos très intéressants des deux côtés. Donc j'espère qu'on retrouvera des joueurs de bras cassés au même niveau. Et puis qui est-ce que nous avons chez bras cassés ce soir? Parce que je suis pas encore invité dans la game. Je ne sais pas qui est-ce qui va jouer pour cette équipe Alors, un peu on a du coup Sebanor, panachée. Axol, Escalopané, Jack Daspero, pardon, et Razunia. Donc, ce soir, on a Axol. On n'a pas qu'à s'en marrer, on est bon. Ok. Non. Ok. Bon, Escalopané, hein, qu'on est plus à décrire, hein, qui est sans aucun doute le joueur clé de cette équipe de bras cassés. Et on va voir s'ils vont articuler leurs éléments autour de lui ou s'ils vont essayer de faire en sorte que lui vienne aider Sedain. Ça reste à voir dans la composition. Hop, hop, hop. Je viens, tu m'invites dans la game, s'il Ouais, te plaît. bah, j'aimerais bien, mais il semblerait que. Ouais. Alors. Voilà, ah, parfait. Alors, je peux t'inviter et il faut que j'invite maintenant Bass. De la manière la plus compliquée et la plus bruyante possible. Ah, le salon de la partie est plein. Ah, salut Bass. Salut, Bonsoir, salut mon bonsoir. Pierre, salut Alexis. Comment Salut. allez-vous en ce début de week-end? Bah, très bien, et toi, si c'est un début de week-end, ça ne peut que aller bien. C'est vrai, c'est vrai. À moins que tu travailles le samedi, mon cher Non, Bass, non, mais. non, non. Je ne Alors, travaille pas aujourd'hui, je ne suis pas un forcené. Hop là, je vais vous laisser cast tous les deux. Hop là, basse. Ça Es-tu marche, merci connecté? Alexis. Ok, D'ailleurs, c'est bon, Alexis, t'es dans le j'en salon là. profite. J'en profite 2 secondes, Alexis. Est-ce qu'il y a un moment où tu voudrais qu'on vienne caster la game en poste de Zone Walls Alert? J'attends encore de la recevoir de Platane, mais. Ok. Chez moi, je suis chaud si tu veux, si tu cherches quelqu'un pour la caster comme ça, juste pour YouTube. Ça marche. Du coup, Bass, tu Oui. vas venir dans le spec, s'il te plaît? Effectivement, pardon. Voilà. Ah, mais Et. bah, si vous voulez jouer la game à la place de marteau, il y a eu un changement de dernière minute. J'avais envie de jouer la top lane. Puis en plus, C'est j'étais ça. pas trop Hard top, bon bon ici. état. Et du coup, je crois que le cast est prêt, hein? Exactement, on est prêt. Hop là, je vais me mute et je vais vous Ah, laisser la parole, les d'accord, gars. Alexis. Merci, Très bien, merci. merci. Bon, Bass, est-ce que Ouais. tu as entendu ce que je disais sur le petit rappel de la dernière game? Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que du coup, vous allez la cast en post-game, du coup, hein? Ouais, moi je pense que je la Ah casse non. en post-game. Tu Ça me parlais de la permettra dernière game? d'une de regarder. Alors, je parlais de la dernière game bah, qui opposait Brakas à SM, mais tu as rebondi sur Zone Walls ADR, donc je m'adapte. Mais c'est pas grave, on est reparti du coup. On va retourner sur la dernière game de Brakas à SM, qui rappelle, on avait quoi? On avait un Urgot, Sejuani, Veigar et Xayah Rakan pour Brakas à SM, contre Shen, Graze, Lissandra, Kai'Sa, Thresh pour ASM 95. Voilà, pour remettre un petit. Dans vos petites têtes, la game qui date maintenant de quelques Effectivement. mois. Hein.
Et ouais, donc tu disais, il y avait 40 minutes de game. L'issue de la game, c'était victoire de Saint-Maurice, c'est ça? C'était comeback de Saint-Maurice. C'est Bracassé qui était D'accord. bien devant, qui avait fait un très très bon early game. Et le problème, c'est que Marteau avait tenu la baraque tout l'early, tout le mid-game et qui a permis après à sa team de comeback. Mais ouais, Marteau qui avait sorti une grosse game. Et Bébé Arc aussi, qui avait full farm avec son Graves, qui finit top farm quasiment, je crois. Mais D'accord. voilà. Bon, là, on part sur des bans qui sont quand même pas communs. Un Yab, un ban Ouais. Yasuo, un ban Yasuo, ouais. Yumi, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu dans cette lake. On voit souvent plutôt des bans Shen, des bans Ornn, Est-ce qu'il y a eu des des... bans Oui, il y a une Lekkos. Yuumi qui a été jouée, Ouais, mais d'ailleurs. c'est Je crois chez qu'il y a nous, une Yuumi qui a été jouée. c'est chez nous, je crois. C'est avec une Jinx? Ouais, c'est Ouais. ça. C'était C'était chiant. notre première Ok. game, on s'est fait détruire par ASM d'ailleurs. Toujours les Hop, bons hop. souvenirs. C'est ça, pour Comme vrai, rien quand on est en de plus vacances, les séparé. souvenirs d'été, fait C'est toujours ça, plaisir. bizarrement, c'est ceux qui traumatisent, quoi. C'est ceux où le petit frère te fait couler sous l'eau. Ah, le grand frère te fait couler. Bon, ça va, moi je suis aîné, donc c'est moi qui ai traumatisé mes frères, mais bon. Bon, le ban Ah, Graves, d'accord. on voit qu'ils se sont rappelés de ce Ouais. ban Graves. Ouh, troisième ban jungle, un ban Ekarim. Ekarim, bah, on a, voilà. Ekarim qui est un des picks, par exemple, qui est très contesté en ce moment sur la lake, qui est un peu polyvalent, qui farme bien, qui tank bien, qui engage. Un pick Ouais, un ça c'est vrai peu que c'est couteau plutôt suisse. polyvalent. Puis c'est pas très C'est un peu. compliqué à... Prendre en En fait, main, ouais, je suis je d'accord. trouve que tu tombes difficilement derrière, parce que ouais, t'as du bon potentiel de farm, Ou le ouais, ban t'as de chain, l'engage, enfin. t'as de l'escape. En vrai, c'est très fair, je trouve, comme perso. Ouais, c'est ça. Ça va pas retourner une game, mais ça va permettre Ouh putain, ok, ça lock un prendre Udyr. un. Ouais, non, mais moi j'ai fait quelques duos avec Bébé Arc. Bon, bah, je peux te dire qu'il est chaud sur son Udyr. Il m'appelle le D'accord. cul comme un Ok. sanguin. Et ça joue à lui dire Shemtank, ça joue à lui dire Tank, tank, ça joue Glacia. tank. Ok. Et c'est quoi son item mythique de prédilection sur lui dire? Celui qui fait courir vite, le Ouais, mix guard du juste capsuleur. le Et la Shemtank, proto ok. ceinture. Et le truc, c'est que ça fait des dégâts quand même complètement abusés. Et t'as juste à lui mettre un midliner pile. Maintenant, j'allais jouer Karma avec lui. Et en fait, bah, tu joues Karma Udyr et tu come back toutes les games. Parce que même si t'es derrière, bah, tu peux rien faire. Enfin, c'est un Udyr qui court. Ouais. Qui a des vraiment très fort. Bon, d'ailleurs, bon choix de Morgane hein, contre Udyr, c'est facile. Hein, Ouais. le Udyr courant sur toi, tu mets la cage. Tu peux pas faire ça Absolument. quand tu vois le truc venir. Quoi. T'as le temps de mettre ton Black Shield quand tu vois un gros ours courir sur toi. J'aime En tout bien cas, ce pick. ouais. Early mid, je suis d'accord. Oula, d'accord, ça prend un Mumu. Ouais, ok. Morgana Mumu, c'est très très fair aussi. Et très fort en team. Après, la Mumu se fait outscale par Udyr. Hein. Ah, se fait Ouais. outscale. Le Udyr prend facilement l'avantage parce que la Mumu peut pas faire d'objectif neutre type Drake ou Oui Yara parce aussi, que si le Udyr arrive, il va le détruire. Sachant que Udyr court tellement vite qu'il a le temps de voir plein de choses autant que la Mumu fasse ses objectifs. après, ça Dès dépend que la de Mumu va être Mumu. sur un map, ouais. J'en connais un qui a fini top 14 monde, c'est ça? Ouais, mais c'était. Bizarrement, c'était pas les mêmes items qu'aujourd'hui. D'ailleurs, Mumu qui va être buff au prochain patch, mais vu que la jungle va être nerf, je ne jouerai plus de jungle. Ouais. Mais Mumu, d'ailleurs, sur OPGG actuellement, tu peux pas trouver de build sur Mumu parce qu'il n'est pas assez joué. C'est triste. C'est Ok, triste. ça va. Okay. Bon, pendant qu'on raconte, pendant que tu me fais des jolis éloges, il y a eu un Alistar qui a été pick pour notre cher. Alors, c'est qui joue au support? Castor Marron. Mais Castor Marron, il est arrivé là, lui? Mais. Ok. Attends. Mais ils ont pris un Castor Marron, Non, non, c'est. Castor Marron appartient à SM, c'est Atomique? juste qu'il jouait sous. Ok, non, pardon. SM, non, non, à SM, il appartient à Saint-Maurice. C'est juste que D'accord. d'habitude, des fois, il est en sub avec Bracassé. C'est pour ça que c'est drôle. D'accord, ok. Et c'est Normalement, quoi leur ce pic? support, c'est Daddy Blue. Il est pas là, Ouais, Daddy Blue. ah c'est ça. Mais c'est quoi le. Qu'est-ce que tu penses du pic d'Alistar sur Morgana? Bah, en fait, on sait la tendance des supports dans cette lake, c'est que c'est des supports qui roament. Ouais, qui roule Et énormément, ouais. Ouais. Alistar contre Morgana. Et en fait, je pense qu'il est plus là pour soit repousser Yamumu, soit. Il n'est pas là pour venir prendre le 2v2. Hein. Je pense que le 2v2, il ne gagne pas contre les King Morgana. Surtout qu'ils avaient déjà vu la Morgana. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pas un bon pick de pick Alistar contre Morgana. Ouais. Après, il veut peut-être engage pour permettre, tu vois, Udyr d'arriver. Il veut peut-être, tu vois, prendre le CC pour ce Udyr, pour permettre au Udyr derrière de. Enfin, mais quand tu Ouais. as un Udyr et un Alistar qui roament dans toute la map, c'est Ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile relou, je suis d'exprimer ton d'accord. plan de jeu. Alistar qui est Et je beaucoup pense que plus c'est carré ça. dans Ouais. Et
Je pense que c'est ça le plan, parce qu'on a Sakyo Platane qui joue, et puis là, du coup, Cassandra Aron. Et je crois qu'à mon avis, on n'a pas trouvé dessus, mais à mon avis, Slashy, Ça. il doit savoir le jouer. Je pense que ça va piquer. Là, du coup, ouais, on a Shen, Oh là. Garen qui ont été ban, Malphite, Vel'Koz de l'autre côté, puis Orianna qui a été ban. Je pense à... Est-ce que tu penses que Marteau va piquer son Kennen? Son Kled. Son Très Kled? Kled en ce moment. D'accord, ok. Ah non, mais Kled, quand tu auras, c'est Nuashi. Donc, ouais, plus le Kennen. Après, je connais Marteau. Marteau, c'est un mec qui a un peu d'ego. Il va vouloir battre ses banners. Parce que c'est ses banners qui va être sur Fiora. Donc, qu'est-ce qu'il va piquer? Alors, par contre, s'il arrive à battre Fiora avec son Kled, bah, j'ai déjà vu, parce que c'est pas un truc facile. Par contre, bon, pique Fiora en blind, c'est vraiment nul, je trouve. Il manquera la mid lane en face du coup. Ouais, alors, ils avaient piqué Vega, la fois, j'aime bien Vega. Mais le Ouais, Vega a été Vega. pris en face. Bon, du coup, Vega a été pris en face. ASM qui veut jouer scaling à Bah, fond. tu vois, ils n'ont pas pris un. Voilà, tu parlais du Kennen. Ouais. Ils ont un pour se dire. Je trouve qu'ils vont avoir beaucoup de champions qui ont besoin de ressources. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'ils prennent un mid-laner qui peut venir booster ce Vizir. Tu vois, une Orianna, par exemple. Oh, Yana a été ban. Moi, j'ai. Ouais. Non. Ah si, ok. Bah, Ouais. la Karma, comme je t'avais dit. Surtout si. Ok. Bah, la Karma, c'est facile. Lissandra. Lissandra, ça n'a pas besoin de beaucoup de ressources, donc tu prends Lissandra. Ouh, j'adore. Cassandra! Oh, j'adore. Et je pense que c'est Escalope Pané qui joue. Je pense qu'ils ont chacun pris leur pick, ça ne va pas swap. Ah non, ok, c'est Banner Jungle du coup. Il avait joué top la dernière fois avec son Yvette. D'accord. Bah, Escalope Pané, de toute façon, on l'avait dit, hein, c'est la maître clé de cette équipe. Mais Ouais. ouais, Cassandra Marron à Jean-Doux, bah, comme dit Alexis. Mais ouais, Kassadin qui est là contre Vega Kennen, Kai'Sa qui doit avoir les 20% de dégâts AP, donc ça peut être pas mal aussi. C'est un grand plaisir de voir un Kassadin dans cette lake là. Je sais pas si on a déjà vu un Kassadin. Bah, nous, je sais que notre millénaire le joue et qui attend une game particulière pour le jouer, mais j'en dis pas plus. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup de joueurs de Kassadin. D'ailleurs, je suis déçu que Azdix ne joue pas Kassadin, c'est lui qui joue beaucoup d'assassins. Kassadin, je pense que c'est un champion qui lui plairait énormément. Juste qu'il apprenne à jouer un peu plus safe et à scale, parce que c'est vrai que c'est un peu un sound guinéen, Azdix, le midlaner des MLMX. Oui, d'accord. Bon, on a nos deux compos. Et Je t'avoue que j'ai peur. Pour la game aille trop vite. Tu vois, la dernière fois, Bracassé avait pris un gros avantage early et ils n'ont pas réussi à concrétiser la game. Mais là, ils se sont dit, bon, bah, on n'a pas réussi à concrétiser, donc on va jouer le late. Et ils ont ouais. pris Kassadin, Mimu, Fiora, de la Caitlyn, Organa, donc très bonne compo late game. Le problème, c'est qu'en face, ils se sont dit, bah, on va pas les laisser arriver au late, on va prendre deux picks, d'ailleurs, qui ont été picks d'entrée, hein, Udyr et Alistar, qui prennent énormément de pression de jungle. Jungle, en fait, j'ai envie de dire, voilà, la pression early, qui vont pas permettre à Samu de venir jouer les objectifs. Et ça va être facile parce que tu vois quelqu'un qui s'avance, tu peux rapidement faire en sorte de casser le team fight avant même qu'il commence. Absolument. Mais là, du coup, si tu veux avoir des pronostics sur l'issue de la game un petit peu, on va dire early game, mid game et peut-être late game si ça vient. Qu'est-ce que tu Alors, dirais? l'early game, il est. Même s'il y a un pick Veigar, d'ailleurs, comme je répète, hein, j'aime pas trop le pick Veigar dans cette compo, mais même avec le Veigar, je pense que en 25 minutes, la game elle peut être pillée du côté des SM95. Le problème, c'est que si Bracassé arrive à tempo à pas trop feed, il y a un Kassadin qui va être avec un Black Shield de Morgana qui va tous les tuer un par un. Hein. Oui, Parce effectivement. que Kennen, à partir de 30 minutes de jeu, le Kassadin, s'il est niveau 16. T'as beau être Kennen, Kassadin, il fait un dash, t'es mort. Oui, il doit être Pareil pour 20. Veigar, pareil Pareil pour pour Kai'Sa. Ouais. Le dire contre Kai'Sa, il va pas faire grand-chose. Hein. Kai'Sa, il va le courir autour. Il suffit que le Kassadin, il joue juste une Banshee ou un Zhonya pour pouvoir counter le burst, et derrière, c'est fini. Hein. Et surtout qu'il y a Black Shield de Morgana, donc il s'en battra les couilles de la cage, il s'en battra les couilles du combo. Ouais, ouais, ouais. Et puis Est-ce qu'ils vont réussir à jouer assez safe et aller abandonner les objectifs? J'ai peur que tu vois, c'est un peu une carte d'ego. Quand tu joues en team, je sais pas toi, mais moi quand je joue en flex, j'ai toujours envie de contester. Je me dis, ah, mes mates ils sont là, on est meilleur qu'eux, vas-y, on y va. Alors que quand je joue en solo queue, je suis plutôt le mec ultra safe qui ping back, ping ouais, back, ping back. absolument, Et absolument. bah, j'ai peur que ce soit ça un peu qui se passe. Tu vois, les mecs jouent, à mon avis, Bracassé, ils ne vont pas train souvent ensemble. Donc à mon avis, ils se disent, vas-y, on y va, on est ensemble, on est en team. Donc on va avoir une meilleure coordination. Sauf qu'en face, c'est des mecs qui sont aussi en team. Donc ils vont réussir à vous baiser. Et bah, j'ai peur qu'il n'y ait pas quelqu'un pour shot call back. Juste back, Ouais, tu vois.
Mais puis c'est vrai que on a tendance à prendre des risques quand on est en flex, enfin, en équipe. Sur le show de call en fait du mec qui va driver la partie et bah on n'oublie pas que on n'est pas forcément des joueurs professionnels donc on fait pas mal d'erreurs aussi hein, sur les différents show de call qu'on peut faire. Mais je trouve que la team Saint-Maurice est globalement forte en macro de base. Ils sont assez consistants donc je pense que ça devrait aller. Ouais, puis là, ça fait quelques games qu'ils commencent à trouver leur truc. Hein. Ils Ouais. ont eu une très mauvaise game face à MLMX. Je crois qu'ils ont perdu face à MLMX en début de phase retour. Ils ont fait un peu un jeu. Ils ont joué deux games plus tard contre nous. Ils ont fait une game perfect où on ne pouvait pas bouger. Et depuis, ils déroulent, ils déroulent, ils déroulent. Je pense qu'ils ont un peu trouvé leur tempo de jeu, leur façon de jouer en team. Et bah, maintenant, c'est très compliqué de déloger. En plus, Platane le disait l'autre fois. C'est l'équipe qui a le plus haut elo moyen de la LEC, donc c'est les mecs qui connaissent un peu le jeu. On sait que Ouais. Toski regarde pas mal d'informations sur le jeu, Bébé Arc aussi, Tatandy aussi se renseigne pas mal. Je sais que Marteau, Ouais, ouais, ouais. c'est 4 joueurs sur les 5 qui suivent les intentions. Pareil, Cassandra est assez haut classé. Ouais, ils font pas mal Donc, de. Ils essaient pas mal de faire des clashs. Ils ont fait quelques tournois avec des. Je crois que c'est des. Enfin, comme des cash prize, mais c'est pas vraiment des cash prize ouais, quoi. je vois très bien les Challenger mode. Ouais, c'est ça. Et t'en as fait avec eux Ouais, d'ailleurs, non? j'en ai fait avec eux, ouais, ça s'est bien passé d'ailleurs. Ils veulent pas rejouer. Non, ça s'est très bien passé avec eux en plus. Ok, donc Bah, ça sort. ils connaissent le jeu. C'est Ouais, toi donc qui là connaissent un peu. ça va plus Moi, je trop suis à dur. 26, 27, 28. On a une invade qui se prépare en bot side là. Des bras cassés. Parfait, parfait, Alexis. Hop. Ok. Ok. Personne n'a pris de débardeur, bon ils prennent quand même un petit avance XP, mais c'est sur la Mumu malheureusement. Le Ouais, mieux c'est de le prendre c'est sur sur le l'invade. mid-laner. Laner, ouais. Le top laner. Et d'ailleurs, vu avec cette invade, Bébé Arc, bizarre qu'il n'en profite pas pour aller placer une ward au Corbin ou au raid, pareil pour Marteau. Il reste tranquille, il chill. Il va sûrement pas prendre son item. Ouais, voilà, ça, prendre Ah son ouais, il mini avait ward. déjà mis sa ward, lui voilà, il prend son. Il est un peu late le back de Bébé Arc. Il prend son dématérialiseur d'ailleurs. Ok, ça se joue Blue Smite. Vizir. Bon, bah, tu me diras pour le slow. Est-ce que du coup il le joue manteau nuageux, Udyr? Tac, tac, tac. Est-ce que je peux cliquer dessus? Udyr. Tac, tac. Il joue même Joue pas pas manteau nuageux. Bah alors pourquoi il le manteau joue Blue nuageux. Smite? Il joue Resolve en arme secondaire. Il joue Ah. Conqueror. Ok. Bah, tu vois, moi j'ai l'impression que le Blue Smite c'est uniquement pour les champions qui jouent Manteau Nuage, tu vois. Pour profiter Effectivement. à fond du Blue Smite. Après, peut-être que du coup, BBR qui a vraiment envie de jouer le rôle du contrôle et pas forcément utiliser le smite rouge pour temporiser les fights et infliger les dégâts bruts, mais plus. Bah pour permettre peut-être à son Alistar de placer un combo, peut-être pour Kennen de ouais, lui placer ses stuns. C'est ça, il joue tank, donc à mon avis, il va jouer pour sa team. Ouais. D'ailleurs, tiens, on n'a pas parlé des runes. Amumu Conqueror. Ouais, Conqueror. Caitlyn, tempo mortel. Et quand tu joues match-up tank contre match-up range. Pardon, quand tu joues match-up top range contre match-up corps à corps au top, vaut mieux prendre un jeu de jambes hein, pour Fiora. Ouais, Alors, en plus, peut-être, une tank probablement. tranquille, avoir de la move speed pour. Ah, tu vois, il y a Là, déjà c'est la un moitié des bossé. PV qui sont partis sur la Fiora. C'est ça. Lui utilisait Ouais. une première potion de corruption, un cookie. Ouais. Alors qu'avec le jeu de jambes, tu vois, surtout avec Fiora, tu mets un Q spell, Ouais, tu repars aussi vite que tu es revenu. effectivement, tu peux prendre facilement ton jeu de jambes. Attends, faut que je replace les. Ok. Les gens en leur place. Et bah, au top, il y a déjà 16 retard. Ouais, En bah, elle va bot. être obligée de respecter un petit peu, et puis je pense qu'elle va peut-être attendre sa Mumu pour pouvoir prendre ses S sur la lane. Mais même d'ici le niveau, je pense ça va être compliqué hein, pour la Fiora en vrai. Hein. Elle peut toujours dodge le stun avec son Z, mais je pense que c'est relou. Hein. En plus, contre Marteau qui joue quand même plutôt bien son Kennen, qu'il a beaucoup joué, je sais pas, je connais pas trop les stats de Rasunia sur sa Fiora. Quand même, Marteau l'a beaucoup joué, mais plus la saison dernière, parce Oui. que cette saison, j'ai regardé son historique, c'est 99% de chaîne. Hein. Ah, il joue Cloud un peu en ce moment, mais sinon, c'est que du chaîne. Ok.
bah, j'espère que les Azurais vont prendre un pareil. Quand tu es un top laner, petit conseil, quand vous êtes un top laner corps à corps, quand tu as top laner range, donc jeu de jambes et bouclier de Doran au deuxième back. Hein. Donc il y a eu dire qu'il a essayé de ganker la mid lane, mais il a été vu par la ward sur le bush du red side. Enfin, ouais, mais tu vois, au niveau des jungles, Mimu a décidé de pas contest. Il a plutôt eu raison, parce que s'il tombait contre le dire, il se serait fait baiser. Donc voilà, il fait sa jungle tranquillement. Voilà. On le sait, un BBR qui va avoir de l'avance, c'est normal. Oh, est-ce que. Oh non. Oh, très bien joué de la part de Marteau qui a. Comme tu l'as dit, hein, il s'est évité le counter du stun. Bon, là, il y a un back à faire, voilà. Fiora qui prend pas de risque. Très bien. Le back va TP sûrement, donc Fiora qui est pas tenté de montrer pour l'IM. Il y a un truc que je trouve bizarre, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est que Morgan et Caitlyn n'a pas la pression face à Istar, Kaisa. C'est vraiment si fort que ça, Kaisa? Je comprends pas. Je joue pas beaucoup de lane et j'ai mal à me dire comment une Kaisa peut avoir la pression contre. Bah disons que ça push un peu plus facilement early. Mid lane, il y a des petits coups qui se rendent, mais ça, en fait ça push assez facilement early. Ça peut prendre le niveau 2 presque obligatoirement par rapport à n'importe quel autre ADC. Oh là là, Iranzunia qui m'entend par-delà les abysses, qui a pris juste un bouclier de run comme je l'avais call. Ouais, ça push vraiment si vite que ça. Ok, bon bah j'espère que petit à petit ils vont pouvoir renverser la balance, parce que bon bah quand tu piques Caitlyn Morgana, c'est quand même pour choper une ou deux plaques. Oh là là, les cages de Axel, elles font mal aux yeux. Hein. Les clips prennent cher en Q d'Anna Morgana. Effectivement. Ok. Je vais lui dire encore simple, là. Je vois que ça freeze du côté de. Ouais. Et du coup, top lane, ça craque LTP la petite Fiora. Donc il y a un petit combo. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Pas de flash. Oh là 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 là, les ADC qui jouent tellement leur summoner. Ok. Bon, bon combo de Castan Marron, hein, qui a fait une très belle. Très bon time. Dans la top side jungle. En plus, elle vient casser la plante, c'est bien joué ça, un top laner de venir casser la plante. Hop. Et très bonne ward, hein, la ward double camp. Et dire qu'il s'oriente sûrement sur le Drake, il a sa prio bot. Midlane, il va avoir sa. Ouais, le Kassadin va le voir back, il a plus de mana. Je pense que ouais, c'est un Drake qui sera pas contest. Bah d'ailleurs, il n'y a pas de TP au niveau des top laners. Il n'y a pas de TP au Marteau et Vinzunia qui n'ont plus leur TP, est-ce que celle de Kassadin. Et voilà, premier Drake 6 minutes 30. Normalement, là, le Udyr fait un clean jungle et arrive directement sur le timing spawning héros de la faille. Et derrière, ouais. Ça déroule. Ouais, normalement, ça devrait bien se passer. C'est le troisième scuttle. Il va sûrement full clear au bot. Tu penses? Non, moi, je pense que tu fais red Corbin, Blue, Herald, un truc comme ça. C'est normal qu'ils sont en avance en clean de jungle, ça clean plus vite, tu dis, il y a eu double scuttle. Oh, dommage, la petite counter. Oh, il perd beaucoup de CS là, Ranzunia, ça va pas le faire. Hein. Ouais, c'est difficile pour lui, hein, vraiment. Ah, mais... puis il rate le Q. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais après, il a benefit pur, hein, il peut que s'en vouloir. Hein. Surtout vrai, contre un joueur qui. Contre un top laner qui joue Kennen, il peut aussi attendre. C'est vrai que c'était clairement quasiment. Appeler ce pick Kennen, hein. Pick une Fiora comme ça en blind avec le Kennen open, c'était en mode vas-y, pisse-moi dessus. Ok. Il a touche, le Black Shield sur le cul de l'Ida. Oh là là, très bonne ulti de Sebanor. La cache qui touche. Non. Allez, qu'est-ce que panier, faut flash. First blood, ok, double kill pour un. Ça, tu prends cependant qu'une seule assist. Ok. Ouais, c'est bien ça, on dit qu'il est forcé au flash. Voilà. Il reste juste la bandelette. Est-ce qu'ils vont réussir? Ouais. C'est dommage. Auto-attaque sur Z. Non, c'est dommage. Non, ils veulent pas. Bon, 2 pour 2, sachant qu'il y a first blood pour Kassadin, c'est pas un mauvais trade. Même si on a eu quelques ratés. Ils ont peur. Eh, mais il a toujours pas son niveau 6, Jack Gasparo. C'est ça qui fait mal au mou, parce que là, s'il y avait un ulti à mettre. Oh, voilà.
Magnifique. Et il s'en sort pixel. C'était tout calculé de la part de Toxin. Du coup, c'est un très bon sur Skysack qui va être sur les chapeaux de roue. Là, on a déjà un Bounty. Et, là, qui est-ce qui se frotte les mains? C'est Marteau. Ouais. Ah bah. C'est un flash. Ouais, mais tu vois, en tant que Canon Top, je pense pas que ce soit un bon move de sa part. Tu sais que t'as eu des semaines qui ont été claquées au bot. Tu préfères garder ton timing flash flash ulti pour le prochain. Oui, effectivement, j'avais pas vu que lui aussi avait flash. Les deux ont flash en fait. Okay, c'est les deux ont flash. Après, ça annonce un dive. Il y a tellement de flips, faut pas qu'il meure à ce moment là. Oui, bien. Mid lane, il y a Udyr qui va. Ah, il y a peut-être un flap flap. Allez, c'est Udyr, faut qu'il scale. Des petits freeze. Un peu chiant. Tac, tac. Bon, là, il y a la différence de temps quand ça se creuse en top et en jungle. Mid lane, Sivan, ouais, effectivement. Il y a un petit peu d'avantage gold. Il y a 1k3. Oh oh. Oh oh là là. Ok, il y aura le backshield en plus, de toute façon. Non, il peut pas mettre le backshield. Ah, ça peut être heure sur la Morgana. Non, elle l'avait gardé. Pour elle, c'était tout calculé. Au niveau des pinks, ils ont chacun mis leur petite pink sur le boss jungle. C'est bien. Oh là là, Jack Pasparo. Je vais pas mettre ses auteurs. Ah, voilà. Ah, il y a eu un petit affrontement au bot. On a Ketin qui est mid life, qui claque sa popo. D'ailleurs, quand t'achètes autant de popo, autant prendre les popos rechargeables. Hein. Absolument. Plus valable. Ah merde. 6. Ouais, bah moi aussi. Non, moi je suis autant aussi. C'est juste qu'on commande trop lentement, nos cerveaux sont trop lents. C'est le vendredi soir, c'est toujours difficile de commenter quand on dit ça. Ok, ah, tous les soirs, c'est difficile. Qui va sûrement essayer de. Sachant qu'il n'y a plus de flash sur Kennen, il peut mettre l'ulti. Voilà, derrière, il va sur la bande bête. Magnifique. Tafira qui touche deux marques. Et Marteau qui va sans vouloir d'avoir claqué son flash là-dessus. Ouais. Et bah très bien. Alors après, Marteau a déjà la photo bête. Tandis que Razonia est parti sur. Oh, très bon choix de sa part d'être parti sur les steaks. Sur les drinkers, je pense, face à deux appels. D'ailleurs, qui s'appelle cet item, ça a bien changé. Ah ouais, c'est plus. Ok. Exterminateur. Très bon choix. Là, maintenant, il fait. Il fait sa farm. Oh! Quel dommage. Tu fais quoi comme ça, par exemple, Fira? Tu finis ton Amortus ou tu pars direct? Tu fais pas de RM? Oh! Pendant le cobot, ok, il y a un catch qui a été trouvé. Tu pars, ouais, moi je fais un bot de RM et pour fondre du vin ou Trinité. Oh là là, le ghost qui a été claqué. Il n'y a pas de TP, s'il y a une TP Fiora pour venir aider, mais elle va pas pouvoir. Oh là 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 là. Ah, ça burn des summoners. Ok, ça burn quoi? Ça burn. Okay, ça a été plaque, un ghost. La première tour. DBR qui nous fait une bonne game, hein, 90 CS. Après, je l'avais dit hein, sur son Easy, il est solide. Première tour qui tombe, les plaques qui sont réparties. Le ski 3-0-2 qui est déjà sur les chapeaux de roue. Ouais, qui a son tueur de Kraken. Vraiment, il a beaucoup de gold. 5200 contre 3300 face, il y a presque 1000 gold d'écart. C'est assez huge. C'est dommage, hein, cette double mort bot qui va donner un gros avantage, qui va booster l'early game de ASM qu'on avait dit déjà très fort et qu'il fallait respecter. Parce que là, c'est Kassadin qui grogne encore plus, qui va devoir encore attendre quelques minutes de plus avant de pouvoir vraiment essayer d'un V9. Ouais, il y a 1000 gold sur la top lane, il y a 1000 gold en jungle, 1000 gold en bot lane, ça commence à se poser quand même. Ouais, bah Kenan qui a rush la proto belt, qui a pu prendre deux plaques, je pense, c'est pour ça qu'il a eu autant de gold. Ah, pareil, il y a Mini qui a rush l'égide solaire. Qu'est-ce que t'en penses en tant que jungler de rush l'item mythique? Bah, enfin, contrairement à BB Arc qui a préféré prendre les bots, prendre deux même. En fait, j'imagine que ça dépend de comment se passe ta game et de quel personnage tu joues. Si tu joues effectivement Udyr, tu sais que tu arrives à mettre beaucoup de pression et être présent partout, les bots c'est génial. Je pense que le Amumu il a envie de tanker un peu quoi. Donc je trouve ça légit pour lui de prendre son égide solaire. Ok, la bombette qui touche, Oh oui, avec le Kassadin qui va arriver, magnifique. Ok, dommage qu'il n'y ait pas eu de mini. Voilà, le dépop de Morgana. Oh, bah le flash de Zébanor un peu mauvais. Ils vont pocher la mid lane. Qui récupère un kill sur cette TP. C'est dommage que Scalpanel n'était pas un tout petit peu plus près.
Parce que je pense que si Blackshield avait été sur Escalope Pané, sur le Kassadin, il aurait pu flash R et arriver au corps à corps de ce Veigar et le finir tout Gars a simplement. peut-être l'empêcher de dépop son mate, peut-être. C'est ça, je pense vraiment que là ça joue à pas grand chose et qu'il aurait pu avoir un dépop Veigar et s'en sortir tranquillou. Ok, Toski qui va tomber, non, peut-être pas sur la ward. Ah, aïe aïe aïe. C'est Ok, deck il a. bien bien bien, il faut absolument ce kill pour le Veigar. Oh. Quel bon repositionnement de la part de Toski. Ouais, c'est le de mourir. Oula. Le face check un peu Ouais, aventureux. c'est pas mal Aïe ça, aïe, hein. deux bouger pendant une demi-heure. C'est un flash qui est craqué. Il est fort ce combo qui est Morgana. Ouais. On a un peu abuse de ça avec le mot coup. Ok, le Ouais, Z. le temple mortel qui proc. Il y a Sadin qui a envie, mais qui malheureusement. Hop. Le Z qui touche. Il n'y a Ouais, pas là, il a plus d'ulti. d'ulti. Il a pas d'ulti. Top lane, il va prendre la tour aussi, je pense. Ils sont 4 robots sur les back. Parce que Pané qui a. D'ailleurs, Razunia qui avait sa TP, dommage qu'il n'y avait pas de vente derrière, parce que là, il aurait pu faire un carnage en passant par là. Oui. Et d'ailleurs, il a fait les pods de RM, comme j'avais dit. RM, comme t'avais dit, effectivement. Bon, ils ont le late game quand même, ils ont le Speed Push Fiora, ils ont le Kassadin. Le Black Shield de Margaret qui va être intéressant à la fois sur la Fiora et sur le Kassadin. Ouais, qui va Pour pouvoir protéger Escalope. ses carries, effectivement, ça va être super pour eux. Puis en plus, sur Fiora, qui peut déjà, si elle time bien, un peu de jelly stun, avec le Black Shield, ça devient vraiment de la résilience dans les fights. Peut être intéressant, mais bon, elle est un peu derrière, 40 CS derrière. Pour l'instant, c'est pas effrayant. Pourquoi je peux pas avoir les timings de Drake? Où sont les Drake? Faut que tu ailles en bas à gauche, dans visibilité Oui. d'interface, et que tu mettes chrono des objectifs. Ah, le petit qui est claqué. Bon, le petit qui est plus facilement en mode. Ah, est-ce qu'il y a un petit qui va prendre le top? Oh non. Oh oui, bien, 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 bon outil, le BR pour le finir, là il a 2 HP. Aïe 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 Oh aïe aïe aïe. là là, le carnage. Ils mettent tellement de temps, il en manque un chouïa de dommage, c'est normal, ils ont pas à fight maintenant, ils ont déjà pris trop de retard. Parce que là, s'ils sont égalité au gold, ils tuent le leader, hein, un peu vite. Mais là, il n'y aura pas de dommage. Hop. Bon cancel de la part de Toski. Oh, le petit est claqué, et c'est le kill sûrement qui Oh là part. là là, Toski, mais quel assassin! Ouais, 5-0-3, 5-0. il est sur le choc de roue. Il a exactement 3000 Oh là d'avance. là 3000 gold là d'avance là sur là son Azali. Nice! Oh dommage, je n'ai pas mis le heal avant, il aurait esquivé l'auto-attaque justement de Castor. Qui touche. Et Escalope Pané qui est en train de pleurer, qui est en train de voir que l'équipe adverse prend trop d'avance, hein. Déjà 7K gold à 16 000 de jeu, c'est un snowball rondement mené. C'est un vrai snowball. Le bonhomme de neige sera Hop. extraordinaire. Il n'y a rien à contester, il y a un Herald, il y a. Alors snowball, c'est pas un bonhomme de neige monsieur, hein. Ah, mais tu peux faire un gros bonhomme de neige si tu arrêtes. Ah, si t'as un bon snowball, si t'as 2 snowballs, tu peux faire quelque chose quoi. Peut-être 3 snowballs si tu rajoutes un petit thorax. Ah ouais, mais là c'est un artiste là, ça. Ah, regarde, là tu vois, genre on a un Kennen qui snowball, on a une Kai'Sa qui snowball, un Veigar. Ouais, c'est bon, on peut faire un beau bonhomme de neige. C'est bon, un bon bonhomme de neige, il est là. Peut-être qu'il rush le Drake, enfin qu'il va se passer pour le Drake. Oh, oh C'est non, il va se faire smite. voilà, Voilà, là, ok. Mais du coup, il y a peut-être pas le smite pour 44 secondes de smite pour le Drake. Mais bon, je pense pas que l'équipe adverse veuille s'approcher de cet enclos. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est Kassadin, est-ce que le panier là, pourquoi tu pars sur l'un des moins bons 3 items Okay. mana? Il n'y a pas de tank en face, En et fait, sachant que. je pense que le bonus mythique qui donne de la CDR, c'est toujours fort. Sur Kassadin. 5% d'accélération des compétences, c'est ridicule. Hein. Bah c'est ridicule, mais sur ouais c'est vrai que si tu joues une partie assez Pour longue être full pas. stuff, ça donne 20% d'accélération, ce qui fait à peine 10% de CDR. Alors que si tu prends les petites peinées, tu gagnes 20% de peinées, c'est ultra fort. D'accord. Okay. Pas forcément les chiffres en tête. En gros, faut se dire que ouais, Bon, 20% ça d'accélération fight. de compétences, Un flash qui est claqué mid lane. c'est quand Qui même. a voulu se replacer. Oh là là, le Z qui met mid-life, Jack Bah Sparrow, ouais, le qui aimerait bien mid-game, prendre parce le qu'il y a plus de Gambetta, mid-game, tu vois. qui aimerait se sortir de ce cauchemar, qui Non aimerait mais je qu'on te ait parle surtout de ça parce chaud. qu'il me semble que le nouvel item que l'item violent, je sais pas comment il s'appelle. Le troisième item. Oula, Sur tous ces Banner. banners. Oh là là, c'est dur. C'est très C'est dur. dur. Kai'Sa qui ulti instant, qui les pop. Et Dan Dandy qui a tué d'accord. Oula! C'est risqué. Ça va passer. Ouh.
Et le Red Buff qui vient de rachever. Ouh, il est utile. Toski qui a pris quand même deux magnifiques kills au Red Buff. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est Red Buff plus Perceptor qui a fini? J'ai pas vu. Je pense que c'est le combo des deux items. Et c'est une game vraiment. Est-ce qu'il peut finir là-dessus, à ton avis? C'est Fiora qui est au top. Ah ouais, il a charge à 4 HP. 4 il a mis son fusil avant de finir les rades. Faut mettre une fac, faut mettre la fac sur les rades. Et voilà, il a eu le temps de frapper. 2 HP. Normalement, il n'y aura jamais dû. Ils ont eu de la chance de prendre cette tour-là. Et Kagas Paro a dû garder son fusil pour finir les rades. C'est 4 HP quand même, ça se finit. Bon, bah on a un jeu de 10K Gold avant les 20 minutes. Hein. c'est une belle game. Hein. Il y a un cash là de gold là, je pense qu'il y a un jeu d'Iba qui se prépare. Oh, bah, c'est un mec qui peut-être int un peu, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment du int, mais qui tente au moins. Je pense qu'il s'attendait avec les autres joueurs et back. Mais... Ah, du coup, ouais, c'est un mid finir là. Je pense pas qu'il est pour autant. Ah, il est sur un seul user tank. Ouais. Oh là là, ah non, s'il avait mis l'ulti sur la VDR qu'avant, je pense que le VDR c'est mort. Ouais, regarde, ils ont pas de dégâts, ils a même pas à finir un Kennen qui est stunts. Ah là là. Est-ce que ce serait pas une fin de game en 20 minutes de jeu? Tu sais, c'est pas la game la plus rapide de la lake pour l'instant. Ouais, je crois pas que... Ah, ouais, et bah moi c'est une fin de game, moi ça a bugué. Ouais, moi c'est bug aussi, effectivement. 10-0-5 pour Toski, solide. Oui, solide. Qui a quand même pris l'un des moves clutch, ça a été son flash avec le kill au red buff, on rappelle. Et qui sort avec 5, même pas 40 HP. Ouais, non, c'est... ça a été très clutch et ça a vraiment snowball pour dire. On ouais, l'avait dit. Hein. Bah, vraiment... Je pense qu'on avait analysé la game avant même qu'elle commence. Hein. c'est exactement ce qu'on avait dit, s'il comptait ses objectifs. Ouais. Donc, du coup, Alistar roam beaucoup avec le bébé Arc, il y a moyen de détruire la game, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, on va aller voir les dégâts, ça va être. Ouais, les dégâts, il y a Kaisa loin devant, un peu d'égard. Puis après, personne n'a plus de 10k dommages à part les deux moustiques. Et en termes de tankiness, ils n'ont pas vraiment eu le temps de tanker, quoi. Il y a Udyr normalement. Ah, la fure un petit peu. J'ai dit, Toski qui a fait parler ses touches de clavier. 10-0-5, solide 10k gold. Je pense pas que Bracassé ait fait des trop mauvais teamfights, c'est juste qu'il leur manquait du temps, il leur manquait des dommages, de la tankiness pour vraiment pouvoir détruire les teamfights adverses, parce que c'est tout simple. Effectivement, je crois pas qu'ils aient pris de mauvaises décisions concernant la macro. Hein. Ils ont pas contest de dragon désespéré, ils ont pas cherché à se battre à l'érable, même. Je pense ouais c'est du snowball quoi en fait, tout simplement, ouais, un bel exemple de snowball. Et puis le move qui fait très très mal, c'est le moment où Morgana se fait catch dans son tribush là au bot, et derrière ils mettent les rades, ils prennent double kill. Ils prennent la première tour, ils prennent toutes les plaques restantes, ouais, c'est vrai que c'était celui-là. Ça ouvre la map pour eux, derrière ils peuvent rotate. Bon, si jamais un joueur veut venir, pourquoi pas, je sais pas ce qu'on peut analyser. Si, on peut quand même analyser ce blind pick Fiora, qui à mon avis est une erreur. Bah ouais, je pense. Pourtant qu'il n'y a pas aussi de problème, il s'est retrouvé tellement derrière, il a vraiment pas pu donner d'impact dans sa team. Peut-être qu'il leur voulait absolument un mec AD, parce qu'ils avaient déjà Morgana un minute, ils savaient qu'il allait avoir un AP mid. Allo. Salut les jeunes. Salut. Et ça c'est une voix qui n'est pas de l'équipe dont on a besoin. D'une analyse, parce que vous avez quand même très bien joué, toi aussi, très 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 grosse couille hein, sur ce flash Q sous tour, ouais. Pour tout le reste. Est-ce que t'as séché les fesses? Clairement, je me disais, c'est pixel ou je le regrette, tu vois. Ouais. D'ailleurs, t'as fait 2 kills au red buff, hein, le kill aussi sous ouais. Le mid, où il y a le red buff qui proc, pourquoi après tu es au percepteur? Ouais, franchement, grosse chat. Clairement, on va pas se mentir. Le karma après avoir subi cette nuit 13 défaites d'affilée en solo queue. Ouais, on a vu ça. La tendance s'est inversée. Moi, Marto, tu veux du haut. Marto, il me fait non, je joue avec Toski. C'est que vous avez dû perdre un petit peu ensemble. Je crois qu'on a fait 2 défaites ensemble, mais bon, c'était compliqué. Je crois que j'avais pas la chance de mon côté, quoi. Mais bon, ça fait plaisir là, de retrouver un petit peu la victoire. Mais t'as pas 16 minutes, hein, tu vas repasser derrière sans finir. Hein. Non, mais t'es sur 15 kills, t'as plus de kills participation que ton support.
Ça, Ouais, c'est bah. incroyable. Après, Kai'Sa, c'est clairement le perso le plus cheaté du jeu en ce moment. Hein. Je Ah, l'ai mais je pense vu. qu'ils avaient clairement la compo pour vous battre, hein, mais ils ont pas mis les éléments en place. Et, bah, vous avez fait, bah, c'est comme je disais, le catch bot au tribush, là, il permet beaucoup de choses. J'ai Ouais. pas vu comment le move s'est initié, mais est-ce que tu peux nous dire quel a été le call à ce moment-là? Alors le move au bot, il y a Yoann qui enfin Udyr qui a commencé à crier, moi je regardais même pas, et juste c'était un peu le foutoir quoi. Du coup on s'est un peu démerdé comme on pouvait, on a tué ce qu'on pouvait et puis voilà, tout D'accord. simplement. C'était pas vraiment prévu je crois. Ça reste la lake. C'est Ça reste pas. la lake, ça reste C'est la la bonne lake. grosse lake. Ça Ouais, marche. tu disais, tu t'es senti comment là du coup sur ta game? Parce que 10-05 c'est correct, mais où est-ce que tu as senti que bah, ça y est, c'était ton moment et que tu fallais que tu snowball as hard as possible? Bah en fait, je savais déjà que Caitlyn, c'est de la grosse merde. Du coup, D'accord. je savais que ça allait être plutôt une bot lane facile. Bon, après, il a pris Alistar, il s'est complètement auto-counter, mais Bah malheureusement, oui, c'est ça. Donc, moi, je comprenais pas quand je regardais à 2 minutes de jeu, vous aviez le push. Je me dis, mais comment c'est possible Bon, en que fait, Morgana ouais. perde le push contre Alistar? Je pense qu'il y a eu beaucoup de cash sur les creeps, déjà, premier facteur. Oui, à mon avis, avec ça, il avait un aimant à creep. Deuxième facteur, il mettait pas assez flak sur la wave et Caitlyn mettait pas assez de Q sur tous les creeps, du coup il pouvait pas push alors qu'ils auraient juste dû nous out push, enfin franchement push la wave pour nous foutre sous la tour et clairement là on aurait été dans la merde, tu vois, surtout que Morgana Caitlyn c'est vraiment la bot lane de l'enfer quoi. Ah, c'est ça, moi je m'attendais à qu'ils prennent une ou deux plaques qui permettent à Mimu d'essayer de moins récupérer un Carapator Bot et des trucs comme ça, quoi. Ouais, du coup, moi, je mettais mes Q sur les creeps pour essayer de push, et puis ça a marché. On a pris les Drake, tranquillou. Puis Ouais, voilà. mais on a senti qu'il y a un moment où, enfin, avec Kai'Sa, quand même, c'est faire des ultis. Il y a plusieurs fois où t'as fait des ultis, du coup, en 1 contre 2, t'as Ouais. pris kill, et tu sais, je trouve que c'est des décisions qui sont difficiles. Ah Tu peux oui. stun, et c'est fini, quoi. Ouais, bah alors oui, déjà, enfin déjà j'avais une purge, donc je savais que si je sautais sur le Amumu, je pouvais soit clear son Q, soit son ulti si on avait un des deux qui touchait. Et Oui. puis après, clairement, quand j'ulti, c'est que je sais que je peux Q auto, enfin proc le Hail of Blades et finir la cible, tu vois. D'accord. Et Ouais. j'essaie de toujours faire ça de manière safe, et puis là, ça a bien marché. N'y a pas quelqu'un de Après, l'équipe adverse qui veut, enfin des vrais caissiers qui a envie de venir commenter leur. Je vais regarder sur leur. Ah, ils ont tous quitté Discord. D'accord. c'est dommage, parce que j'aimerais bien comprendre ce blind pick Fiora, sachant que le Ken des marteaux était open. Ouais, bah ouais, quand on a vu le blind pick Fiora, on s'est dit, bon, bah, let's go Kennen, allez. Mais ça a payé aussi, hein, parce qu'il a quand même bien bully sur la top lane. Bon, c'est ce qui a fait une grosse diff. En fait, ça a beaucoup libéré, du coup, de l'espace au bot, parce que, enfin, franchement, la Fiora, qui utilisait ses TP pour revenir en lane, pour être pas trop derrière en XP et en farm, ça vous a apporté énormément d'air, hein, en bot, sachant que vous gagnez déjà en plus. Ouais, de ouf. Et puis, je viens d'y penser, mais il y a eu une grosse, grosse erreur de leur part, c'est quand il y a le Kassadin qui est venu nous dive au bot. Et au final, genre, je crois qu'il a claqué son flash pour dive, récupérer un kill sur la Lista, et après, je l'ai tué, tu vois. Toi, tu Du prends coup, le kill, effectivement. c'était vraiment pas du tout worth, et ils ont joué trop risky alors qu'ils avaient une compo Fiora Kassadin, c'est ultra late. Ah, Donc. ouais, c'est Vampire, ouais. Il disait que c'est plutôt le late game qu'il fallait viser. Mais étonnamment, tu trouves que Kai'Sa, du coup, c'est beaucoup moins late qu'avant? En fait, Kai'Sa, je trouve que c'est hyper fort à tous les stades. Tu vois, rien D'accord. qu'avec le Hail of Blades, le passif et le Q, t'auras Oui. toujours un putain de burst, quel que soit ton niveau. Donc, c'est trop trop bien ce perso, c'est abusé. Et d'ailleurs, elle va se prendre un petit Mais nerf Toski qui récupère un goût pour les ADC, c'est bon. là. Qui n'est pas assez analysée, d'après Eric Ibo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la tenue? Bah, Veigar contre un Kassadin, enfin, je pense pas. Qu'est-ce En que tout tu voulais qu'il fasse cas, Si tu veux qu'il passe à Ikibo. Parce que bah, Veigar contre Kassadin, il avait juste à essayer de farm et de toute façon il n'avait pas eu de dégâts pour le tuer parce que Kassadin est un anti-AP. ouais. D'ailleurs, Scalpanek a plutôt bien géré sa lane. Mais Ah non, ce qui m'étonne, moi, c'est le flash R de marteau sur la Fiora. Où à un moment où il pouvait garder son flash, il allait récupérer sa TP dans 1 minute. Il savait qu'au bot, il n'y avait plus de summoners. Il pouvait faire en sorte de finir la game sur un beau TP bot avec R flash ulti pour être sûr de détruire. Il a préféré tenter le 1v1, derrière il s'est punir le mid gank.
pas le move le plus réfléchi de la part de Marco. Ouais, bah après, c'est pas pour rien qu'il a le KDA le plus bas de la LEC, hein, on va pas se mentir. Marteau? Ah bah oui, il marche pas bien de fois avec sa cave. Ouais. Bon, bah en tout cas, GG à vous, hein. Ouais, GG, Bah, et puis merci, merci d'avoir vous avez fait toutes commenté. vos games de la semaine, là, SM. Ouais, je crois que c'est bon pour nous. Pas très Il sympa, reste et bien quoi comme game ouais, cette semaine? j'ai Nous, on a deux moi. games à jouer. Vous Est-ce jouez que contre qui Alexis, tu là? peux nous refaire un petit débrief des games qui restent? Alors, Apemi chez Malenix, qui reste. Alors, Zonio, ça a suite, ça a été fait. Bracassé, Dolto 2, ça a été joué ou pas? Non, je crois pas. Donc, il reste Bracassé, Dolto 2, donc SM95, Bracassé, c'était là. Apemi, Jolvos, donc il reste ça à faire. Dolto 2 à SM95, ça a été joué, ils se sont fait détruire. Et Zone Walls Bracassé, Zone Walls Bracassé, je sais plus. Je crois que ça n'a pas été joué. Donc il reste 4 matchs au moins. Retour contre bras cassés, effectivement. Il reste 4 matchs, donc 2 Bracassé et 2 Onda Pêche. Tac tac tac. Ok. En tout cas, c'est, j'ai l'impression que c'est plus serré que l'année dernière. Enfin, disons que, à part pour Zone Après, Zone Walls a qui est en sorti une très grosse. 0-8. Ouais, mais ils ont sorti une très grosse game contre Dolto, qui Dolto a battu Evader, pour rappel. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut se méfier de Loki d'or. Vous allez voir, on va finir premier du. Non, 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 ce pas serait bien du de finir avec une victoire au moins. En vrai, ouais, on a vraiment tryhard contre Dolto 2. On s'est dit, ouais, les gars, s'il y a une game à gagner, c'est celle-là. C'est pas passé. Et franchement, ouais. Même la game, juste. On a joué contre qui? On a joué contre Aderf. On s'est rendu compte qu'on était, enfin, on était toujours pas au niveau en vrai, hein, par rapport à la Ligue. Bon, après, Ader son premier, mais attends, mais du coup, non, vous passez. Ah non, vous passez pas premier, Non, vous avez. on est deuxième, nous. D'accord. Ouais, donc Ouais, c'est Aderf, ils vont aller chercher la deuxième étoile, là. Hein. Oh non, 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 MLMX, faut vous battre Aderf. Non, ça a déjà été joué en plus. Mais ouais, Aderf qui va chercher une deuxième. Après, est-ce que c'est vraiment une deuxième étoile? C'est les playoffs qu'il faut gagner en playoffs. Hein, Ah sur un oui, 2-3, c'est les tout est jouable. play. Ah, j'ai bien hâte. Ouais, j'ai trop hâte parce qu'en plus, c'est un arbre à la LEC, donc il y aura tellement de matchs. Oh Il y oui. aura juste Zone Wolves qui seront là à pouvoir essayer d'hype le truc, mais. Oh yeah. Yes. Attends, si on va dans. Tac, tac. Sur le Google, il reste. C'est quoi le classement là? Si ça a été mis à jour. Alexis a bien Ouais. mis à jour. Tac, tac. Ah oui, Aderfi qui est déjà en 9-2. Ouais, 8-3. Ah ouais, mais limite c'est en 6-4, là c'est difficile. Il faut aller prendre deux games à Derf, sachant qu'il leur reste. Ils ont quoi? Ils ont 12 games à jouer. Ah non, il leur reste qu'une seule game, donc c'est sûr. C'est sûr qu'Aderfi. Et vous avez fait quoi ASM contre Aderf? Vous avez fait une win-lose ou vous avez fait deux lose? Je sais plus, je crois qu'on a fait deux. Ah non. Vous En avez vrai, je sais gagné plus. à l'aller, hein. Ah non, Ah attends. ouais? Je Je sais plus. regarde. Aderfield. Non, c'est Ader qui a gagné. Et retour. Je regarde. Ader, Ader, Ader. Ouais, Ah, W. donc c'est mort. Même si Aderf perd la prochaine game, ils auront l'avantage direct contre vous. Donc je crois qu'Aderfield est déjà premier de la LEC. Coup dur. Leur 11 games joués, coup dur. C'est ça, c'est ça. Après, du coup, ça va jouer pour la. Je crois que vous êtes pas surpris parce que la limite vous a pris une game, il me semble. Ouais, on se fait battre par Vous êtes la Malamix. ça, donc vous êtes pas sur deuxième parce que si vous perdez les prochaines games avec Malenix gagne tout, ça sera une égalité avec vous, mais auront un tie break à jouer contre vous. Puis nous, par contre, c'est sûr, on a perdu deux fois contre vous, donc on pourra pas revenir. Ok. Bon bah voilà pour le point classement, les gens, j'espère que le casse vous a plu. Moi je vais arrêter là. Ouais, Merci toujours beaucoup. très bien, un très solide vampire plus basse, un duo absolument exemplaire, si je peux me permettre. Ah bah merci. Gentil, Merci, merci. merci. Ce sera un plaisir de Merci. recaster avec toi, Vampire, la prochaine fois. Ah bah bien sûr. Toujours, toujours. Et Je bah pense sur qu'on ce, est rebondi, on sait rebondir sur les cordes de ta basse, ta tam-tam. on oublie les C'est ça, on commente et on oublie. Ah, oh, bah il y a eu 3 kills là. Ah, oh, bah ouais, bien joué. le Oh, tu casting. penses quoi des bots? Bon allez les Bon gars, allez, bonne soirée. une très bonne bonne soirée. soirée. Merci Alexis pour Ciao, le cast, ciao. pour le host. Et Ouais. puis merci Baz.
2, Ouais. 1, Un et salut bisou. à tous. Bisous.